S'il y a bien un dossier qui anime le mercato estival du côté de Manchester City, c'est bien l'avenir du milieu de terrain Bernardo Silva. Pisté par le FC Barcelone, pour remplacer numériquement Frankie de Jong, en partance pour Manchester United, l'ancien monégasque serait l'une des cibles de Xavi Hernandez, pour construire un effectif capable de retrouver les sommets en Liga et en Ligue des Champions. Et selon les informations de Mundo Deportivo, l'entraîneur des Skibus Pep Guardiola aurait fait la promesse à son international portugais, 69 sélections, 8 buts, de lui accorder un bon de sortie s'il reçoit une offre satisfaisante pour le club. Déjà intéressé par le Lisboète l'été dernier, le Barça n'avait pas pu conclure un accord avec la direction mancunienne en raison de ses difficultés financières, mais la vente du Néerlandais pourrait bien aider les Blaugrana à enrôler le milieu de 27 ans. Manchester City va connaître quelques changements cet été, si ça n'a pas déjà commencé avec la venue d'Erling Haaland devant. Au milieu de terrain, le champion d'Angleterre souhaite apporter du sang neuf. En fin de contrat dans un an, Ilkay Gundogan risque de partir, tandis que Fernandinho a déjà fait ses adieux au public de l'Etihad Stadium. Les Citizens pensent à Calvin Phillips pour se renforcer. Devenu international anglais grâce à ses performances sous le maillot de Lille avec Marcelo Bielsa, le joueur de 26 ans était même titulaire, dans l'entrejeu des Trillions lors du dernier Euro, où il a atteint la finale. D'après Je Télégraphe, Manchester City attend la fin de la trêve internationale, pour formaliser son intérêt officiel auprès des Peacocks.